Moto ya lobby, soki na sali mabe limbisa ngai. Na o ya lobby, na sali mabe limbisa ngai. Bonjour, je suis la sœur Ornella de l'église Gasparini. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le frère Bian et son groupe Célébration Musique. Bonjour frère Bian. Bonjour ma sœur Ornella. Donc aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'assister à une de vos répétitions avec votre groupe. Vous êtes en train de travailler en ce moment sur de nouveaux morceaux. Exactement. D'accord. Et mais on a le plaisir de pouvoir vous interviewer et d'en savoir plus sur la fonction de chantre de l'Éternel et sur votre mission. On va écouter un extrait de votre répétition avant de pouvoir procéder. Oh,
passera la terre du serpent. Célébration musique est fondée de 16 membres. Donc nous avons des frères et sœurs. Mais bon là, bon, comme là on vient de finir la répétition, il y en a qui sont partis. Mais bon, avec le peu qui sont là, on va pouvoir essayer de passer le message. D'accord. Mmh. On peut avoir le chacun. Mon frère Thierry, je travaille ensemble. Je suis la sœur Rachel Chai et je chante aussi dans le groupe de Je reste pianiste et arrangeur. C'est le principal directeur artistique du groupe. C'est lui. Donc, comme on l'a dit, c'est un arrangeur et pianiste. D'accord. Et pour quelle raison avez-vous créé ce groupe? Ce groupe, en fait, n'a pas été créé par mes propres raisons. C'est une vision, comme je l'ai dit. Donc c'est quelque chose, c'est une charge en fait que Dieu m'a confiée afin de pouvoir faire passer le message sur l'adoration partout dans le monde. D'accord. C'est ça. Très bien, merci. On vous voit aujourd'hui en studio. Sur quel morceau travaillez-vous actuellement? Sur quoi travaillez-vous? Non, ben, la base c'est d'abord l'évangile. C'est tout d'abord l'évangile et après. Il y a des productions de partout, en France, tout comme à l'étranger. Mais aujourd'hui particulièrement lors de votre répétition? Oui, ben aujourd'hui, c'est juste pour une journée du 8 mai qu'on est en train de préparer. C'est une grande journée de louange et d'adoration. Ça se passera au Bourget. Oui, donc bon, après par rapport aux questions, bon, je passerai encore devant le public pour l'heure pour préciser l'heure, les lieux, tout ça. Mais sinon, c'est bon pour ça qu'on est là. D'accord. Ouais. Très bien, merci. Donc, pouvez-vous nous expliquer l'une des particularités de votre groupe? Je sais que vous-même, Fabien, ainsi que l'un des autres membres du groupe, le Fabien, vous êtes des artistes indépendants, c'est-à-dire que, à part en fait travailler dans le groupe Célébration Musique, vous avez aussi une carrière d'artiste à côté, indépendamment. Pouvez-vous nous expliquer cette mission, en fait, à oui, ben, en fait, si vous parlez de carrière, j'aime beaucoup plus parler de mission. La mission qui est Dieu dans nous. La mission est que je puisse répondre le message sur l'adoration. Donc, moi, je me vois vraiment pas musicien aujourd'hui. Donc, moi je me vois quelqu'un qui s'éplie sous les pieds de la croix afin de pouvoir m'adorer. Et c'est pour ça que Dieu m'a fait grâce de faire répandre aussi la bonne nouvelle sur l'adoration partout. Donc moi, je ne me vois pas chanteur, je ne me vois pas chanteur. D'accord. Voilà, donc celui-là est juste pour l'intérêt divin. Très bien, merci. Quel message souhaiteriez-vous apporter à d'autres bien-aimés qui se plaisent à chanter pour Dieu, mais peut-être qu'ils ont cette grâce en eux, mais qui n'ont pas encore sauté le pas pour devenir chanteur de l'Éternel? Ah, bon, le message là, c'est un petit peu difficile à répondre pour moi. Parce que moi, je dis à chaque fois, il existait une grande différence entre chanter pour Dieu, entre chanter Dieu et adorer. Il y a une différence. Donc quand il s'agit d'adorer, cela exige une révélation. Cela exige une communion avec Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de chanter, tout le monde peut le faire. Tu vois, bon,
Je ne sais pas si quelqu'un aimerait bien chanter pour Dieu. Bon, c'est permis. Hein. C'est permis parce que la Bible dit que tout ce qui est inspiré nous loue. On peut louer, on peut chanter pour Dieu. Mais par rapport à l'adoration, tout le monde ne peut pas le faire. Voilà pourquoi je n'aime pas vraiment conseiller les gens. Viens chanter pour Dieu tout seulement sans avoir été révélé. C'est pas le bon truc, en fait. Donc moi, je n'épouse jamais les gens à chanter pour Dieu. Donc si Dieu met en toi la chose, la grâce, la vision, donc ça vient seul. Ça vient seul, sans forcer. Voilà. Donc moi, je ne force pas. C'est la chose la plus facile que je fais sur terre. C'est vrai qu'ailleurs, après, dans la semaine, il y a le travail. Tout ça, mais la meilleure des choses que je fais sans qu'on commette un effort, c'est adorer Dieu, c'est chanter pour Dieu. Donc ça coule. Dès que je commence, ça coule. C'est trop facile pour moi. Merci pour la question. Bonjour, sœur Rachel. Vous êtes aussi chanteuse dans le groupe Célébration des Élèves. Et j'aurais aimé savoir pour vous, qu'est-ce qu'un chantre de l'Éternel? Un chantre de l'Éternel, pour moi, c'est déjà quelqu'un qui chante pour la gloire de Dieu, qui adore son Dieu à travers les chansons. Enfin, avant d'être chantre, on est d'abord chrétien. Et c'est après que cette envie de chanter vient. Donc avant d'être chanteur, on est d'abord chrétien. D'accord. Chrétien, chanteur. D'accord. Merci. Mm-hmm. Est-ce que pour vous, avoir une belle voix, cela suffit pour être chanteur de l'Éternel? Non, avoir une belle voix, non, ça ne suffit pas. Il faut avoir la technique, mais parfois c'est le Saint-Esprit qui fait tout. La voix, ça ne suffit pas. C'est comme si tu chantais, enfin, nous, chantres de l'Éternel, quand on chante, c'est pour toucher les gens, c'est pour que le Saint-Esprit agisse à travers nos cantiques. Mais ça ne passe pas qu'à travers la voix, il faut avoir une vie de prière, il faut avoir le Saint-Esprit en soi, parce que quand on chante, c'est pour que la gloire de Dieu descende, et pour cela, on a besoin du Saint-Esprit. Donc la voix ne suffit pas, il y a plein de gens qui chantent super bien, mais quand ils chantent, tu ne ressens rien. Et il y a des gens qui ne chantent pas très bien, mais quand ils chantent, tu sens quelque chose. Donc c'est avant tout chanter, oui bien sûr, avoir une voix, oui bien sûr, mais c'est avant tout aussi une vie de prière, donc pour que le Saint-Esprit se manifeste à travers les chansons. Moto ya lobby, soki na sali mabe limbisa ngai.